Pour le circuit training d'aujourd'hui, on reste sur une base habituelle de 30 secondes d'effort par exercice. On va se concentrer pour enchaîner ces trois exercices sans temps de repos. Et à la fin de chaque circuit, on prendra une minute de repos. Pour les exercices d'aujourd'hui, vous aurez besoin d'un tapis, d'une bouteille d'eau, un petit coussin. Exercice numéro 1, on va se munir de la bouteille d'eau et de sa chaise. Premier exercice pour renforcer le dos. On va se placer en face de sa chaise. On va mettre les mains soit sur la chaise carrément, soit sur les poignées de la chaise. On saisit sa bouteille d'eau à une main. On va se placer le dos à 45 degrés. Il est important de garder le dos droit. On regarde sa main. Et avec le bras, on va tirer la bouteille d'eau vers le haut. Il est important de guider avec le coude. On va venir saisir sa bouteille d'eau. On va se placer la main libre sur le genou, le dos droit. Et on repousse la bouteille vers le haut. On expire quand on pousse. Une fois qu'on a fait le côté droit, on enchaîne avec le côté gauche, la même chose. Si comme moi vous rencontrez des problèmes avec les lances de vos bouteilles d'eau, vous pouvez aussi la prendre à plat, comme maintenant. On va venir se placer genou sur le coussin, les mains au sol, largeur des épaules, les mains dans la projection des épaules sur le tapis. Et on va venir descendre en contrôlant. On souffle quand on remonte. Even if I lost all my money, does it?
could be soaked to the skin in the monsoon. I know she got the good vibes.